Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Il devient de plus en plus difficile d'être agriculteur. On n'a qu'à penser seulement l'an dernier qu'il y a 10 % des fermes en Abitibi-Témiscamingue qui ont dû cesser leurs activités. Vraiment un triste bilan. Comment le nouveau président régional de l'UPA entrevoit 2012 et les années futures? Donc, c'est avec grand plaisir que je le reçois. C'est M. Sylvain Vachon, le nouveau président régional de l'UPA en Abitibi-Témiscamingue. M. Vachon, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation, M. Vachon. Puis, on le faisait avec M. Comeau, que vous avez remplacé dernièrement. Puis, comme on a parlé un petit peu avant l'émission, on aime renseigner les gens. Et vous êtes un des mieux placés chez nous pour vraiment bien représenter ce qui se passe un peu en agriculture chez nous, en Abitibi-Témiscamingue. On entend toujours, très souvent, et avec raison, dire que le domaine agricole est de plus en plus difficile. Mais seulement que les gens, ce que les gens savent, c'est que c'est difficile, mais souvent les gens ne savent pas pourquoi c'est difficile. Alors, avec M. Comeau, on le faisait et je suis très heureux de le faire également avec vous dans le futur et le présent aujourd'hui. M. Vachon, comment entrevoyez-vous l'année 2012 dans le domaine agricole? J'aimerais dire que c'est vrai que c'est difficile, mais qu'en région, on a un potentiel agricole important. Okay. On croit comme agriculteur, pourquoi qu'on se bat tant pour notre réalité, c'est qu'on est convaincu, profondément convaincu que le potentiel de notre région en agriculture, là, il est là, puis il faut, comme société, l'exploiter. OK. C'est la raison pourquoi qu'on est tenace puis qu'on lâchera pas, à l'image des gens qui ont fait notre région d'ailleurs. Oui, avec grand raison, exactement, oui. L'année 2012 va être une année, encore une fois, j'irais dire, pas facile, mais moi je sens, pour avoir eu des rencontres avec notre ministre régional, je sens qu'il y a une écoute, qu'il y a une ouverture de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, justement, pour exploiter ce réel potentiel-là. Fait que moi, je dis, je vois l'année 2012 comme une année là, qui va être charnière là, dans les relations avec notre partenaire, qui est le gouvernement du Québec, mais aussi une année charnière, voir si on va réussir comme région à mettre en place des outils collectifs qui vont justement changer une dynamique là, qui a trop duré depuis, on pourrait dire, de pratiquement une dizaine d'années. Oui, ça va mal. Là. Une décennie complète. Vous avez dit que le ministre de l'Agriculture, qui est M. Corbeil, ministre de la Région, vous avez dit que bon, il est sensibilisé aux problèmes des agriculteurs. Et je l'ai entendu dire également. Dans nos fils de presse, c'est régulier. Le ministre Corbeil est sensibilisé à tout ce qui se passe en agriculture. Mais est-ce qu'il y a des gestes concrets qui sont posés par le gouvernement? Et quand on dit le gouvernement, bien, c'est sûr que c'est par le ministre, parce que le ministre est chez nous, ici, en région. Est-ce qu'il y a des gestes concrets qui sont posés actuellement, au moment où l'on se parle? C'est beau dire, oui, on est sensibilisé, on va faire ci, mais est-ce qu'il y a des gestes qui sont posés? Il y a quelques gestes qui se posent. C'est clair que c'est un processus qui, j'irais dire, c'est évolutif dans le temps. On a à quantifier ce qu'on affirme comme réalité. Okay. Moi, je peux dire qu'il s'est engagé, on a un projet de drainage, il s'est engagé à financer l'étude technico-économique. Il y a le programme régional qui s'est engagé à bonifier un volet 3. C'est très technique, mais les producteurs vont comprendre. Il y a des pas. Est-ce que ça va à la vitesse qu'on voudrait? Ben non. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr que non, mais parce qu'il n'y a pas aucun ministère que ça va à la vitesse que les gens voudraient. Mais au moins, si on avance, c'est toujours ça. Il y a un avance. Est-ce que ça répond pleinement aux attentes des producteurs? Encore là, je peux dire non, c'est pas suffisant, mais on garde le cap, on est confiant que nous, sur notre bord, on fait notre travail de producteur. Oui. Comme organisation qui est l'Union des producteurs agricoles, on fait le travail de représentation, on démontre ce que nous, on affirme depuis plusieurs années déjà, que c'est une réalité. Puis maintenant, bien, il y a notre partenaire qui commence, à mon avis, à avoir une dynamique. Puis là, je ne veux pas interpréter, mais il faut,
Je suis confiant que, comme région, là, on va s'en sortir, mais il reste beaucoup de travail à faire encore. En Abitibi-Témiscamingue, il y a un peu plus de 600 fermes environ, puis on parle de fermeture de l'ordre d'environ 10 %, c'est-à-dire environ 60 fermes. Est-ce que vous trouvez ça critique? Bien, moi, je vais vous donner, j'irais même, c'est plus que 60. Si on monte en 2005, il y avait 757 fermes en région. En 2011, à la fin de l'année, il y avait 631 fermes. C'est 126 fermes de moins. C'est beaucoup. Est-ce que c'est critique? On atteint à bien des égards un niveau tellement bas qu'on commence à avoir de la difficulté dans certains domaines à avoir du service. Exemple, le service vétérinaire. Oui. Là, les vétérinaires se tapent des heures de route pour venir offrir du service en Abitibi-Ouest, exemple. Fait que, on demande beaucoup à ces gens-là. Si on continue à réduire le volume de producteurs, ça n'annonce pas des embellis dans le service. C'est puis, un moment donné, on va atteindre un point de rupture. Là. Mm-hmm. 126 fermes, là, en pourcentage, c'est 16,6 % là, des fermes qui sont disparues depuis 2005. Ça confirme ce qu'on dit, qu'on a eu une décennie difficile pour des raisons qui nous sont externes. Puis c'est pour ça qu'on veut absolument... on va continuer à travailler activement, à mettre des projets porteurs d'avenir. Pour réussir, justement, comme je l'ai affirmé... Pour freiner. Cette érosion-là, puis faire l'autre notre job. Moi, j'ai dit que la réussite en agriculture, en Abitibi-Témiscamingue, repose sur trois axes. Premier axe, le producteur lui-même. Comme on l'a toujours fait, on va continuer à le faire, c'est de chercher des manières différentes, plus innovantes, innover dans notre manière de produire pour être plus efficace. Ça ne veut pas dire travailler plus. Des fois, ça veut dire travailler différemment. Différemment, oui, exactement. Deuxième axe, se regrouper. Faire des actions collectives qui vont faire en sorte, justement, qu'on va se donner des projets porteurs pour l'avenir. Puis là, on a des exemples concrets. L'Abitibi-Témiscamingue dans notre assiette. Le projet de drainage. Ces projets-là, projet de l'Abitibi-Témiscamingue dans notre assiette, à terme, ce que ça donne, c'est un revenu additionnel du marché pour être moins dépendant, justement, du soutien de l'État. Programme de drainage. C'est quoi que ça sous-entend? Une productivité accrue de nos terres qui vont faire en sorte qu'on va avoir des rendements supérieurs et des revenus par la bande du marché qui sont supérieurs. Ça, c'est l'axe 2, de se prendre en main comme organisation, avec l'organisation qui est l'Union des producteurs agricoles. Axe 3, ça prend le partenaire. Notre partenaire, qui est le gouvernement du Québec, qui, avec ses outils financiers, il faut absolument qu'ils comprennent qu'il faut mettre la pédale douce sur les mesures pour ne pas faire en sorte que le levier qui est à notre portée comme producteur soit tellement affaibli qu'ils seront... Le gouvernement a un rôle spécifique et très important à jouer, mais vous l'avez bien dit aussi, l'agriculteur lui-même aussi a quand même un rôle. Il ne peut pas non plus, où nous sommes rendus aujourd'hui, dire « Bien là, moi, là, ça me prend de l'aide parce que là, je suis capable. » Oui, ça lui prend de l'aide, mais peut-être faire autrement, travailler autrement, c'est une chose qui peut peut-être faire une différence à ce moment-là. Parce que si on regarde, M. Vachon, moi, j'aimerais que vous nous disiez, c'est quoi exactement les fermes, les principales causes de la fermeture de ces fermes-là, c'est quoi? Ah, il y a des causes, elles sont multiples, là. Mais c'est clair que dans bien des cas, c'est une question de difficultés financières. C'est conjoncturel. Pendant les débuts des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, il y a eu une expansion importante de la production en région. Les producteurs ont investi, ont développé énormément, ce qui amène des marges d'un fois un peu moins bonnes pour une dizaine d'années. Par la suite, il y a une succession, une cascade de situations problématiques qui a fait en sorte que les prix du marché n'ont pas été là. Il y avait des programmes de soutien du revenu, mais il faut comprendre que une partie du soutien, c'est une part qui est assumée par le producteur, c'est une assurance. Okay. Fait qu'on a notre contrepartie à donner. Fait que pendant toutes ces années-là, la succession des crises a fait en sorte que le producteur, financièrement, s'est affaibli et arrive en bout de ligne un moment donné où il n'est plus capable ou bien qu'il décide d'arrêter parce qu'il voit qu'il y a une impasse, ou bien qu'il se fait exactement arrêter par les financiers. Est-ce que chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, M. Vachon, la relève existe?
Oh oui. On a un exemple. Il y a un projet, programme de relève agricole en production laitière. J'oserais pas m'avancer sur le nom, mais de mémoire, c'est 12 fermes en Abitibi-Témiscamingue qui sont démarrées en production laitière grâce à ce projet-là. Okay. Moi, j'en connais une personnellement, un peu plus. Ben, on a une à Palmarole, on a une autre à Roquemaure, pas loin d'ici. Mm-hmm. C'est deux des jeunes. Un qui sort de l'ITA, un autre qui... c'est un jeune qui travaillait dans la forêt, puis que bon, la crise forestière a fait qu'il... En fait, qu'il s'est établi sur une ferme. Il s'est établi. Okay. Fait que, tu sais, on a de la relève dans certaines productions, comme le lait. Il y a le programme de la Fédération de producteurs de lait qui a aidé ces jeunes-là à s'implanter en agriculture en région. Encore dernièrement, dans le coin, dans le nord de la Sarre, il y a un jeune qui a repris la relève de son beau-père avec sa blonde. Oui, encore des jeunes qui croient à l'avenir. Qu'est-ce que vous diriez, vous, comme président de l'UPA, là, à un jeune qui vous rencontre puis qui vous dit, ben M. Vachon, moi, j'aimerais ça m'établir sur une ferme, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne-là? Parce que c'est quand même... Mais écoutez, c'est peut-être pas facile. Là. Je peux pas faire autrement que de l'encourager. Moi, je reste convaincu, comme je vous l'ai dit au début de l'entrevue, je reste convaincu du réel potentiel agricole de notre région. La relève est une ressource importante. Hein? S'il n'y a pas de relève, il y a une fin en soi. Exactement. Je continue à dire qu'il y a un potentiel. Fait que je ne peux pas dire aux jeunes, ne faites pas d'agriculture. Je dis aux jeunes, c'est pas facile. Si tu as le goût de relever des défis, c'est le meilleur métier du monde pour avoir un paquet de défis à relever. Puis je suis convaincu qu'en s'unissant, ça veut dire qu'en restant fort collectivement avec l'Union des producteurs agricoles, on va réussir justement à mettre les outils, les leviers en place, comme je disais, trois axes. Mm-hmm. Les leviers, là, mais notre job aussi, c'est de se prendre en main collectivement, mais aussi de faire comprendre aux intervenants que l'agriculture en région, c'est un investissement et non une dépense. Puis collectivement, on est gagnant, pas juste les producteurs, mais l'ensemble de la société, quand on donne les outils à des jeunes comme les agriculteurs pour réussir à dynamiser le milieu socio-économique de la région. Monsieur Vachon, si on parlait des deux grands dossiers prioritaires en 2012, on parle d'une année consacrée à l'ASRA, l'Association de stabilisation des revenus agricoles, amélioration de l'attitude de la financière agricole aussi dans ce dossier-là. C'est ça, les deux grands dossiers. Expliquez-nous un peu, c'est quoi que l'ASRA, tiens? Bien, l'ASRA, c'est l'assurance stabilisation des revenus agricoles. Comme j'ai dit tantôt, c'est un outil, c'est un tiers, deux tiers. Le producteur met un tiers, le gouvernement met deux tiers. Puis là, il y a un coût de production qui est étudié, entre autres en région, on va donner les principales productions sous ASRA. Il y a l'industrie bovine, ovine, céréalière. Okay. C'est les trois productions qui sont couvertes par ce programme-là. On établit un coût de production, ça veut dire que ça coûte tant faire un veau. Okay. Ça coûte tant faire un agneau. Puis quand le prix du marché met des chiffres, le coût de production est établi à 1000 $, le revenu du marché est de 700 $. Okay. Il y a un manque à gagner pour le producteur de 300 $. Bien, le producteur assume le premier 100 $ et okay. Le gouvernement met le 200 $ qui manque pour permettre aux producteurs de compenser là, les manques du marché. Ce programme-là, actuellement, a été sollicité énormément, entre autres à cause de la crise de la vache folle en 2003, qui a fait en sorte que ça a amené des compensations importantes du gouvernement, puis ils ont remis en question ce programme-là. Ils ont mis en place des mesures de resserrement pour justement réduire, c'est administratif, pour réduire les compensations. Nous autres, ce qu'on dit en région, c'est que ce dossier-là est hyper important parce que 87% des fermes de la région sont bénéficiaires de ce programme-là. Puis on le voit dans les chiffres-là. Il y a une diminution importante des fermes. Si on continue à aller trop rapidement avec ces mesures de resserrement-là, on risque de justement de débranler les piliers du temple, qu'on pourrait dire, puis avoir un effondrement de certaines productions en région, puis ce qui est néfaste à terme. Là. Okay. Fait que ce qu'on dit à notre partenaire, qui est le gouvernement, dire on n'est pas contre les changements. On est prêt à se prendre en main, je l'ai dit. On veut se prendre en main pour être moins dépendant du soutien de l'État. Encore faut-il avoir le temps de le faire.
faut prendre le temps de faire les choses correctement. C'est ce qu'on dit à notre partenaire, c'est qu'on peut-tu revoir la vitesse avec laquelle on met ces mesures en place-là, de voir s'il y a d'autres outils qu'on pourrait mettre à la portée des producteurs pour justement permettre à ces gens-là de continuer à contribuer à l'essor économique et socio-économique de notre région. Ça fait que ça, c'est, oui, un enjeu qui est crucial pour notre région. L'attitude de la financière... Oui, c'est ça que j'aimerais que l'on parle, parce que la financière agricole, ben, elle a été critiquée beaucoup. On en a entendu parler. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais amélioration de l'attitude de la financière agricole dans ce dossier-là, c'est quoi exactement, M. Vachon? Nous, ce qu'on veut, ben, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Nous autres, c'est clair que... Vous le voyez, moi, mon discours, il est clairement positif. Je nie pas le fait que c'est difficile, mais je mets l'accent sur les aspects positifs de l'agriculture en région puis du potentiel réel de cette activité économique-là en région. Moi, je veux que, j'aimerais que la financière agricole en vienne à sa mission. C'est-à-dire, la mission, c'est la loi des lois pour un organisme, puis c'est de soutenir puis de favoriser la dynamique agricole. Est-ce qu'elle fait ça actuellement, au moment où l'on se parle? Ça a été ardu dans les dernières années. Oui, parce qu'on en a entendu parler. Il y a eu des frictions entre notre organisation et la financière, mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut absolument... pour être capable de se comprendre, il faut être capable de se parler. De notre bord, au départ, oui. De notre bord, moi, le message est clair. Je suis positif. Je parle du gouvernement et de la financière comme des partenaires. J'espère que ces gens-là vont avoir la même attitude envers nous. Puis qu'on va être capable, justement, de manière constructive, trouver des solutions pour tout le monde, pour les producteurs, pour le gouvernement du Québec. Et pour les citoyens, c'est un trio qui est indissociable. L'inaction de l'État dans une agriculture nordique comme la nôtre, on pourrait donner l'exemple de l'Abitibi-Ouest. Si on va en Ontario, on a l'exemple flagrant d'un désinvestissement de l'État. Okay. Quand on va dans le district de Cochrane, qui est exactement le même... le même type de sol, oui, le même climat. Ça, parce que quand même, c'est pas loin de chez nous. Là. C'est juste au bord du lac Abitibi. C'est au bord du lac Abitibi, exactement. Ben, l'agriculture est à peu près inexistante. OK. Mais c'est le domaine forestier surtout. Mais il y a des belles terres. Il y a déjà eu une effervescence agricole, mais il y a eu un désinvestissement de l'État. Puis on voit le résultat aujourd'hui des rangs qui C'est ce que vous ne voulez pas qui arrive chez nous. C'est ce qu'on veut éviter pour notre région. Parce que... Et c'est ce que la financière agricole aussi veut éviter? Bien, je l'espère. Mais je ne peux pas parler pour les autres. C'est ça, exactement. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des études qui, en Abitibi-Témiscamingue. Éco-Ressources, il y a une étude. C'est pas nous autres qui l'a faite, là. Éco-Ressources, c'est une firme sérieuse qui a dit qu'en Abitibi-Témiscamingue, pas sa planète Mars, en Abitibi-Témiscamingue, la production bovine et céréalière, deux productions présentes sur notre territoire, en 2007, là, c'est pas au Moyen-Âge non plus, là. Non. Ces deux productions-là, les retombées fiscales pour le gouvernement du Québec, les retombées directes, je vais le dire correctement, les retombées directes et indirectes de ces deux productions-là en 2007, en Abitibi-Témiscamingue, les retombées fiscales pour le gouvernement du Québec, ils se sont toutes remboursées les aides qu'ils ont mis pour les agriculteurs, il leur a resté 5 millions. OK. Quand je dis c'est tout le monde est gagnant, c'est ça que je dis. Les producteurs sont gagnants parce qu'ils peuvent faire le métier qu'ils aiment puis nourrir avec des produits de qualité les consommateurs qui nous entourent. Les consommateurs sont gagnants, les gens, la vie rurale, on la voit, la dynamique rurale, le monde agricole contribue de manière importante à cette dynamique-là. C'est vrai. Et le gouvernement, en plus, en bonus, il y a 5 millions pour faire ce qu'il veut avec. Moi, je ne vois pas comment on peut ne pas comprendre que le soutien de l'État est un investissement et non une dépense. Vous en avez parlé un peu, j'aimerais ça qu'on revienne, M. Vachon, sur l'Abitibi-Témiscamingue dans votre assiette. C'est primordial. Je dis même pas que c'est important, c'est primordial. C'est primordial. Vous avez le bon terme. Moi, c'est la pierre angulaire de mon argumentaire. On ne demande pas la charité, là. Puis moi, je l'ai dit au discours, dans mon discours d'élection, je l'ai dit, on veut se prendre en main. On veut être moins dépendant de l'État. Puis ça, c'est l'exemple concret de la prise en main des producteurs de la région. Il y a un producteur qui est Luc Robitaille qui a imaginé ce concept-là, qui l'a porté depuis 3 ans, puis on y arrive, là. Au printemps, j'espère, en tout cas,
Selon les plans, c'est qu'au printemps, il va y avoir le bœuf alléchant qui va être à vendre sur nos tablettes, en région. Vous allez pouvoir, comme consommateur, là, aider les producteurs à se prendre en main. Puis, ce qu'on ne peut pas aujourd'hui. Vous ne pouvez absolument pas. Vous n'avez aucune idée d'où vient le bœuf. Ça, moi, je trouve ça terrible. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'au printemps, vous allez pouvoir le faire. Il va y avoir le bœuf. Souvenez-vous du mot, c'est le bœuf alléchant. Il va être disponible dans nos tablettes. Puis ça, ce que ça va faire en sorte, c'est que c'est justement, on va être propriétaire du steak jusqu'à la tablette. Jusqu'à temps que vous allez l'acheter comme consommateur. Ça, puis on espère être capable, avec nos partenaires de la filière, être capable de ramener des marges aux producteurs, à être moins dépendant de l'État. Puis ça, après ça, il faut que l'État reconnaisse ce fait-là, qu'on veut se prendre en main, puis qu'il nous permette de se rendre là. Puis c'est pour ça que je dis qu'il faut mettre la pédale douce sur les mesures de resserrement, puis d'être un réel partenaire pour l'agriculture de la région. Est-ce que à ce moment-là, ça veut dire que les agriculteurs pourront vivre avec la vente de leurs produits? Parce que j'avais une question, moi, qui disait ici, est-ce que les agriculteurs peuvent aujourd'hui vivre avec la vente de leurs produits? C'est la plus grande volonté des producteurs. Mais j'en suis persuadé. Ce qui est le plus irritant pour un entrepreneur, un producteur agricole, c'est de ne pas être capable d'atteindre son coût de production. Compte tenu de la sensibilité du produit qu'on fait, qui est une denrée alimentaire, il faut s'assurer d'une souveraineté alimentaire comme oui, nation. C'est sûr. On a, dans des conditions nordiques comme la nôtre, des raisons pour lesquelles il faut absolument que collectivement, on assume une responsabilité des coûts inhérents à l'hiver, etc., etc. C'est pour ça que oui, comme producteur, on veut vivre la vente de notre produit. Pis c'est pour ça qu'on a le projet de l'Abitibi-Témiscamingue dans notre assiette. C'est là, ça, c'est pour un ça. Un ne va pas sans l'autre. Tout à fait. Puis c'est pour ça qu'on dit qu'on veut être moins dépendant du soutien de l'État. Mais est-ce que présentement, toutes les productions, oui, il y a des productions sous gestion de l'offre, comme les productions laitières, qui vivent pleinement du fruit de leur travail, c'est-à-dire la vente du lait. Mais les autres productions qui ne sont pas contingentées actuellement, sans ASRA, sans soutien de l'État, ça serait beaucoup plus difficile. Alors, d'où votre déclaration lorsque vous avez été élu président et que vous avez dit « on veut se prendre en main et moins dépendre du gouvernement ». Tout à fait. C'est parce qu'il faut se souvenir que de la manière que le gouvernement soutient l'agriculture, c'est qu'il y a toujours un tiers. Tu sais, je l'ai expliqué tantôt, il y a une partie qui revient aux producteurs. Fait que moins qu'on est dépendant des programmes de soutien de l'État, moins que notre partie, notre contrepartie, le tiers, est importante, puis plus que techniquement, on peut réussir à dégager des marges intéressantes. Exactement, oui. Monsieur Vachon, vous en avez parlé juste un petit peu tantôt, mais j'aimerais qu'on revienne sur le projet de drainage des terres agricoles. Il y a un coût qui est rattaché à ça. Le drainage des terres agricoles, je ne connais pas beaucoup parce que je n'ai jamais été agriculteur, mais par contre, j'ai une admiration sans borne pour ces gens-là, par exemple. Mais quand on parle de projet de drainage de terres agricoles, ça coûte très cher. Ah, c'est un fait, c'est un investissement. Moi, j'aime mieux dire que c'est un investissement important okay. pour la région. Il faut comprendre que historiquement au Québec, il y a eu des programmes importants de drainage des terres. Puis à l'époque que le Québec drainait ses terres, nous ici, on en défrichait des terres. Il y a des raisons Exactement. Historiques qui font en sorte qu'on est moins avancé que les d'autres régions dans le domaine du drainage. Ce qu'on veut avec le projet de drainage, c'est un projet de remise à niveau du drainage des terres. Okay. C'est, on veut rattraper le reste de la province. Dans notre pourcentage de terres drainées en Abitibi-Témiscamingue. Pardon. C'est le projet. De quelle manière on va l'articuler, de quelle manière on va le financer, on y travaille actuellement. Le ministre Corbeil... Le gouvernement est sensibilisé à ça. Oui. Là, de quelle manière, à cette heure, on va réussir à le financer? C'est clair que c'est des sommes qui sont considérables, puis il faut trouver la manière qui va être acceptable de tous pour... Sans égorger personne. Tout à fait. Le but de l'exercice, l'objectif de l'Union des producteurs agricoles avec ce projet-là, c'est de remettre le niveau de drainage des terres de l'Abitibi-Témiscamingue à un niveau provincial, sans surendetter les producteurs par le geste qu'a fait de drainer pour ramener des marges rapidement sur les fermes de l'Abitibi-Témiscamingue. Monsieur Vachon, moi, j'aimerais que vous nous parliez de la solidarité chez les agriculteurs.
Parce que des fois, l'Union paysanne qui est là, je ne vais pas embarquer dans ça, là, en décor, pas de suite. Là, on en parlera peut-être dans une émission future. Aucun problème. Mais c'est que j'aimerais ça que l'on parle de la solidarité chez les agriculteurs parce que la division ne mène nulle part. Alors, c'est d'une extrême importance d'être solidaire. Que dire de plus? Vous nous avez dit, la division ne mène nulle part. J'écoutais une nouvelle aujourd'hui. Il n'était question d'un poste de radio. Puis un responsable, une critique officielle en agriculture disait aujourd'hui dans les médias à peu près ce que vous avez dit. Que le fait d'être unis derrière une organisation qui est l'Union des producteurs agricoles donnait une force politique importante aux producteurs. Puis que c'est pas en divisant ces forces-là qu'on va redonner un pouvoir additionnel aux producteurs. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que très largement, tu sais, majoritairement, là, les producteurs comprennent très bien ça. Puis c'est pour ça qu'on a un taux d'adhésion volontaire. Puis ça, il faut le dire, là. Il n'y a pas personne qui se fait forcer pour adhérer. C'est ça, parce que on signe volontairement notre carte de membre. On est obligé de payer notre cotisation. Parce que dans une prochaine émission, on va en faire d'autres, je suis persuadé, parce que là, on a tellement lu et entendu de choses sur l'UPA que c'était, les agriculteurs n'avaient pas le choix. Bon, il fallait qu'ils signent leur carte. D'accord. Je ne vais pas embarquer là-dedans aujourd'hui, là, parce que ce n'est pas dans mon émission, sauf qu'il faut quand même se tenir et être tout à fait solidaire. Écoutez, à ce moment-là. Je suis conscient que les dossiers n'avancent pas à la rapidité avec laquelle on voudrait qu'on avance comme producteur. Nous autres, on est des gens terrain. On est des gens day-to-day. Puis, regarde, quand on prend une décision, ça avance, puis on s'en va par là. La game politique, c'est tout autre. Il faut comprendre ça. Mais on y travaille activement. Puis je suis convaincu que si on reste solidaire, on va avoir les résultats qu'on escompte, puis c'est sûr. Peut-être plus rapidement qu'on pense. Parce que je reviens à ce que je disais, la division, peu importe, dans n'importe quel domaine, la division mène. On s'en va dans le mur avec. C'est aussi simple tout que fait. Ça. Les financières agricoles du Québec ont injecté un petit peu plus de 43 millions dans l'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec. Est-ce que c'est assez? Oh, mais c'est sûr, ce n'est jamais assez. Mais est-ce que... moi, je n'irais pas dire ça. Moi, j'irais dire 43 millions, il faut commencer par le décortiquer. C'est quoi 43 oui, millions? Oui, mais c'est sûr. Il y a 13 millions de prêts. Bon, ça, okay, c'est pas de l'argent donné. On est rendu 30. C'est des garanties de prêts. Okay. Sur 30 millions, il y a 230 000 pièces, c'est pour la relève. Les fermes qui sont en démarrage. Pour aider à la relève, c'est ça? Oui. Okay. Puis il y a 30 millions de sécurité du revenu. Sur ce 30 millions-là de sécurité du revenu qui est réparti sur l'ensemble du territoire, tu en as 24,2 millions que c'est de la SRA, programme d'ASRA. Okay. On comprend que sur 24,2 millions, je vous l'ai dit tantôt, un tiers, deux tiers. Sur 24 millions, il y a 8 millions qui viennent de la poche des producteurs. Fait qu'on vient de ramener 16 millions. Le montant est 16 millions. C'est pour dire que lorsque l'on lance un chiffre, souvent de même, oh mon Dieu, ils ont eu 43 millions puis ils se plaignent. Mais là, on vient de ramener à 16 millions l'intervention voilà, de l'État. Exactement. On rajoute là-dessus l'Agri-Québec, qui est un nouveau programme qui est. Je suis rattaché aux ventes nettes admissibles. C'est assez complexe comme dynamique, mais c'est 3,6 millions. Puis il y a 2,1 millions. Que c'est une assurance récolte. L'assurance récolte, il y a une franchise de 15 %. Fait que pour avoir eu 2,1 millions d'aide du gouvernement en assurance récolte en 2010, c'est parce qu'il y a eu des pertes de rendement au champ, des pertes de revenus. Des pertes de revenus. Puis quand tu assumes le 15, c'est comme toute assurance, tu assumes le premier 15 %, ça fait qu'il y a eu une perte des monétaire. Qu'on dit. Il y a eu une perte monétaire réelle des producteurs par rapport à la récolte 2010 supérieure à 2,1 millions. C'est que le réel intervention de l'État, 16 plus 3. Voilà. Puis ça lui rapporte 5 nets dans le poche année après année. Il reste à peine 30 secondes, M. Vachon. Juste pour dire, en terminant, que la moyenne des salaires au Québec est de 21 $ de l'heure. L'agriculteur, lui, c'est 12 $ l'heure pour plus de 60 heures par semaine. M. Vachon, merci infiniment. C'était très intéressant. Puis on va faire sûrement d'autres émissions parce qu'il y a tellement de choses à parler dans le domaine agricole et vous êtes bien placé pour en parler. Puis je vous remercie beaucoup de vous être présenté à cette émission. Ça va me faire plaisir de venir échanger avec vous puis de bien représenter les gens qui se donnent jour après jour pour fournir un produit de qualité en quantité suffisante à nos concitoyens. Ça va nous faire plaisir de vous réinviter également. Merci beaucoup, M. Vachon. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On donne rendez-vous pour une autre émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.